technologie pour aider les chercheurs cambodgiens. Cet appareil est un radar pour analyser les sous-sols. Leur objectif, découvrir des charniers datant du régime Khmer Rouge, à Prey Veng, au Cambodge. Leur enquête se concentre sur des terrains situés près d'un lycée. Une fosse commune a déjà été localisée à proximité. Des témoignages indiquent qu'il pourrait y en avoir d'autres. Près de 20 000 fosses communes ont été retrouvées depuis la chute du régime de Pol Pot. Les Khmers Rouges sont responsables d'un génocide d'environ 2 millions de personnes entre 1975 et 1979. Pour les chercheurs, ce travail de documentation est indispensable. Ces dernières années, deux des plus hauts dirigeants du régime ont été condamnés par un tribunal international.